Paname Facecam, édition numéro 1, votre nouveau rendez-vous sur Paris United. Un entretien avec un invité, un ancien joueur du PSG, un supporter, un journaliste, pour débriefer l'actualité du PSG. Et pour cette première, le joueur le plus capé de l'histoire du club, monsieur Jean-Marc Pilorger. Bonjour Jean-Marc, merci d'être avec nous. Tu es le joueur le plus capé de l'histoire du club, 435 matchs disputés sous les couleurs du PSG. Les plus jeunes ne te connaissent pas forcément. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les plus jeunes supporters du PSG aujourd'hui? Déjà, bonjour Clément, bonjour à vous tous, bonjour à tous les amoureux du Paris Saint-Germain. Alors, me présenter, j'ai 61 ans aujourd'hui. J'ai joué de 1974 à 1989 sur Internet. 89, on va dire, c'est ça, ma mémoire me fait défaut. 89, comme tu l'as dit, 435 matchs dans ce club. Je suis très fier d'avoir réalisé ce parcours. Pour les plus jeunes, je fais partie des joueurs qui ont débuté avec ce club, 1974. J'ai eu la chance d'obtenir le premier titre du Paris Saint-Germain en 1982, donc quelques années après, avec la Coupe de France, le premier titre du club. Voilà, je reste un amoureux du Paris Saint-Germain et je suis toujours ce club, bien entendu. 15 ans au PSG, je crois que c'est remarquable. On va revenir un peu sur ta carrière au PSG, 2-3 souvenirs, notamment la finale en 1982. Juste pour commencer, on est le 3 février 2020, le mercato vient de se finir et Edinson Cavani est toujours joueur du PSG, toujours le meilleur buteur de l'histoire du club. Alors il y a deux écoles, il y a ceux qui sont contents, qui rêvent parce que c'est une légende, parce que c'est Cavani, il est aimé des supporters. Et puis il y a ceux qui auraient préféré un départ parce qu'il est peut-être moins performant, parce que le club aurait pu récupérer 15 millions. Qu'est-ce que toi tu en penses? Quel est ton point de vue un peu sur le cas Cavani? Je suis un peu partagé. D'un côté, je fais partie de ta première analyse, à savoir que moi je suis contente que ce garçon reste au club parce qu'il a démontré quand même de choses fabuleuses. Je pense qu'il aime ce club, il est aimé par les supporters, je pense qu'il les aime aussi, il le rend bien sur le terrain. Je pense que c'est un garçon qui ne triche jamais. Il a été bon, il a été moins bon, mais il n'a jamais triché, il donne toujours le maximum sur le terrain. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est un mec remarquable, c'est vraiment un grand professionnel, je pense. Après, certes, oui, on aurait pu penser qu'à 6 mois de la fin de son contrat, le club allait peut-être essayer de récupérer un petit peu d'argent. Ça ne s'est pas fait, mais je pense qu'il va falloir se servir de ce garçon-là parce qu'il a encore de belles choses à donner. Et je pense qu'il peut aider le club dans les 6 mois qui arrivent, et notamment en Coupe d'Europe. Un garçon qui ne triche jamais, tu dis? 198 buts au PSG, il a fallu mettre le 199e ce week-end. Est-ce qu'on peut faire ça à Cavani aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le traiter de la sorte, comme l'a fait Tourelle sur certains matchs en le faisant rentrer 5 minutes? Est-ce qu'on peut le mettre à la porte, même si lui aussi a émis un souhait de départ à 6 mois du terme de son contrat? Je pense qu'aujourd'hui, dans le football, on peut tout faire, on peut tout se permettre. Mais est-ce que c'est pas la société, est-ce que c'est pas la vie qui est comme ça aujourd'hui? J'ai entendu parler... du débat sur les parents qui perdaient un enfant, d'amener la période de deuil de 5 à 12 jours, ça fait un tollé, c'est complètement logique, ça manque d'humanité. On est dans une société qui manque d'humanité et le football fait partie aussi de la société, donc il y a par moments des situations qui manquent d'humanité. Ce PSG-là, il fonctionne bien en ce moment, il déroule, il gagne ses matchs. Est-ce que tu as l'impression que c'est l'année du PSG? Est-ce que pour toi le club a retenu les leçons des années précédentes? Ou tu as encore un petit doute sur certains aspects de ce PSG-là? Je fais partie des garçons qui, en début de saison, par rapport au recrutement, par rapport à la philosophie du coach, j'ai fait partie des garçons qui pensaient que cette année pouvait être la bonne. À savoir qu'on allait enfin dépasser les quarts de finale. Bon. La saison elle a fait que commencer, le plus dur n'est pas arrivé. Je pense qu'on a cette année une équipe pour aller très loin et peut-être pour la gagner. Maintenant, ça va dépendre de tellement de choses, ça va dépendre du passé, bien entendu, quart de finale, les tirages, bien entendu, ça dépend de beaucoup de choses. Mais je crois que cette équipe a les moyens de surprendre tout le monde cette saison. Dans le livre qu'on a sorti récemment sur les 50 ans du PSG, tu me parlais un peu de ton PSG de l'époque, avant le premier trophée en 82. Tu me disais que c'était un PSG moqué, il n'y avait rien, ça n'existait
c'était un club tout jeune qui ne représentait rien. Quand tu vois ce qu'est le PSG 30 ans après, une marque mondiale, un des meilleurs clubs d'Europe, le plus grand palmarès français, toi en tant qu'ancien, qu'est-ce que ça te fait? Une forme de nostalgie peut-être? Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, ou ce que j'ai dit à l'époque, on était beaucoup moqués, mais je crois que ça n'a pas changé. Le PSG est toujours autant moqué, malgré tout le bien et tout le positif qui se passe depuis un certain nombre d'années, mais les deux derniers résultats en Coupe d'Europe ont été la risée de l'Europe entière. Donc voilà, je pense qu'il est temps d'arrêter ce genre de choses. Il est temps de vraiment se comporter à des moments précis et des moments importants comme de vrais professionnels. Parce que je pense que c'est ce qui a manqué les deux dernières années sur les deux matchs. On va pas en reparler de Manchester ou de Barcelone, qui ont quand même choqué tout le monde. Quand on a été joueur de football et qu'on essaie de se remettre en position sur un terrain, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. On ne peut pas admettre ce qui s'est passé parce que ça, c'est pas dans les choses plausibles. Malheureusement, c'est arrivé. Voilà, c'est des choses qui sont arrivées. Voilà, donc il faut se servir de tout ça. Je pense que ce club a besoin encore de grandir. Mais voilà, il est temps de plus faire rire. Il est temps que les gens prennent vraiment ce club sérieux. Mais ça n'arrivera qu'à un seul moment, c'est quand PSG sera champion d'Europe. Tu parles des matchs assez tristes de l'histoire du club. C'est vrai que c'est des matchs malheureusement qui resteront dans l'histoire, pas pour les bonnes raisons. Il y en a eu d'autres qui sont restés pour les bonnes raisons. Et il y a ce match, le 15 mai 1982, finale contre Saint-Etienne au Parc des Princes. Le PSG n'a encore gagné aucun titre. Il dispute sa finale contre l'ogre stéphanois à la maison. Et le PSG gagne au tir au but. Et qui marque le dernier tir au but? Ben, c'est toi. Ouais. C'est toi qui marque le dernier tir au but. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de ce match un peu? Honnêtement, ça a été un match hors norme. Si on regarde les images aujourd'hui, on se dit c'est n'importe quoi. Quand je veux dire l'envahissement de terrain, si ça arrive aujourd'hui, bah, le match est arrêté, c'est fini, il n'y a plus de finale. Bon, il y a eu des choses complètement hors normes et complètement farfelues par moment. Je veux dire, le président, bon, Francis, qui rentre sur le terrain. Francis Borrelli pour les plus jeunes. Voilà, Francis Borrelli, le président de l'époque, qui rentre sur le terrain avec sa célèbre sacoche, qui embrasse la pelouse. On voit pas des choses comme ça aujourd'hui. Voilà, et puis après le scénario qui a quand même été remarquable. Avec une égalisation en fin de rencontre. Dominique voilà, Rocheteau, voilà Dominique. Et puis voilà, puis cette séance de tir au but, avec aussi, il y avait, je me rappelle, c'était, si ma mémoire est bonne, c'est le dernier match de Michel Platini en France. Voilà. Voilà, puis cette séance de tir au but qui est aussi, moi, qui me reste en mémoire parce que j'ai voulu tirer depuis le début, j'ai voulu tirer un pénalty depuis le début, et le coach qui était Georges Péroche à l'époque, j'avais l'impression qu'il faisait semblant de ne pas me voir, il demandait qui veut tirer, et je levais la main et il tournait la tête, quoi, je veux dire, bon, et jusqu'au sixième pénalty où j'ai dit j'y vais, quoi, je veux dire. Bon là, je ne vais pas être cool avec toi, ouais. Mais tu as une excuse sur ce pénalty-là, parce que le Stéphanois l'avait raté juste avant. Et du coup, tu avais moins de pression pour le tirer. Ah, mais c'est de sa faute, c'est pas de la mienne. J'étais tranquille, oui, j'étais tranquille, mais bon, je savais que j'allais tirer après Christian Lopez. Qui avait raté. Ouais, c'est vrai que la pression. Soit la séance s'est poursuivie, soit tu étais un héros. Ouais, mais c'est même pas ça, c'est que tout le monde m'a parlé de pression, mais moi, j'avais pas de pression. Ouais. Je veux dire, j'étais un Parisien, c'était mon club. C'était normal que je fasse partie de cette équipe et voilà, et j'avais pas de pression particulière par rapport à aller tirer un pénalty. Bon, j'étais tranquille. T'as joué au PSG jusqu'en 89. Est-ce que tu as senti que cette finale ça sonnait comme un basculement, comme un tournant? Est-ce qu'il y a eu une sorte de décompression après? Honnêtement, pas vraiment encore. On a gagné une deuxième finale l'année d'après contre le FC Nantes. Mais je crois que les gens ont changé à penser sur le PSG, c'est quand on a été champion de France. Voilà, parce que la Coupe de France, bon, c'était un parcours, voilà, il fallait être bon à certains matchs. Un titre de champion, bah, c'est toute la saison. Et le premier titre du club, voilà, je pense que les gens regardaient le club d'une façon différente. Tu es resté 14 ans au PSG. À l'époque, tu me parlais d'un club familial.
Tu me racontais que Mustapha Dalem, légende du club, distribuait ses cartes de visite sur le terrain en match amical. Non, c'est pas les gens qui distribuaient, c'est lui. Oui, lui, il c'est ses lui cartes qui de visite distribuait. Sur le terrain, oui, absolument. Aux adversaires, etc. Il pensait à sa reconversion, c'est ça? Ouais, il faisait de l'import-export. Voilà, on n'a jamais su de quoi, mais il faisait de l'import-export. Il avait des cartes de visite, import-export. Voilà. Voilà, ce club familial aujourd'hui, club bling-bling, tant mieux. Tant mieux que le PSG soit comme ça aujourd'hui. Ce décalage, toi, ça t'inspire quoi? Ça te rend triste? Ça te rend nostalgique ou pas? Absolument pas. Non, non, je vis pas avec mon passé. Ouais. C'est l'évolution, j'allais dire logique. C'est l'évolution par rapport à tout ce qui s'est passé dans le football, tout simplement. Voilà, et même dans la vie en général. T'as vécu un autre grand moment, enfin, t'as vécu plein de grands moments, mais tu as joué avec un gros joueur, c'est Luis Fernandez, une icône du PSG. Et tu me racontais que quand il est parti au Matra en 1986, il a fondu en larmes dans tes bras parce qu'il voulait rester au PSG, il ne voulait pas partir. Ouais, est-ce que c'est un moment qui t'a marqué aussi, ce départ de Luis, qui voulait rester dans son club et qui a eu une bisbille avec, ouais, avec je pense, le PSG? Honnêtement, je pense que son départ avait peut-être été mal compris par rapport pour les supporters, je crois. Mais j'ai ce souvenir de Luis, on avait fait le... Après le dernier match, on avait fait une soirée, et voilà, et à un moment donné, on tchatchait avec lui, c'est à un moment donné, il a craqué, quoi, je veux dire, il a craqué, il a pleuré, et il m'a dit, j'ai pas envie de partir, mais bon, l'offre que lui faisait le Matra Racing, il y avait trop de différence avec le salaire qu'il avait au PSG, et il m'a dit, j'ai pas envie de partir, mais je peux pas faire autrement, voilà, tout simplement, moi, j'ai une famille, je pense à ma famille, voilà. Mais il ne voulait pas partir. Aujourd'hui, il y a une autre figure au PSG, un joueur exceptionnel, c'est Neymar. Une figure controversée, certains l'adorent, beaucoup l'adorent. Certains le détestent aussi pour sa personnalité. Toi qui as joué avec des génies, tu m'en parlais notamment pour le livre, des Dalet, des Souzy, même Dominique Rocheteau. Comment tu supposes que c'est naturel d'effectuer une comparaison quand tu vois Neymar sur un terrain? Tu te dis, ouais, moi à l'époque, je jouais avec Dalet, je jouais avec Souzy. Comment tu les compares? Où tu places Neymar par rapport à ces joueurs? Alors, je vais me permettre de faire une comparaison sur le terrain. Ouais. Parce que je peux parler de Safet, je peux parler de Mousse, parce que je les ai connus en tant qu'hommes. Donc, c'est facile pour moi de dire c'était des super joueurs et c'était des bonhommes exceptionnels. Voilà. Je prends grand plaisir. J'ai revu Mustapha Dalem il n'y a pas si longtemps que ça. Il ne m'a pas reconnu, d'ailleurs. Moi, je l'ai reconnu, mais pas lui. Et voilà, c'était un grand plaisir. Et c'est toujours un plaisir de revoir ce genre de garçon. Maintenant, Neymar, sur le terrain, bah oui, il fait des choses exceptionnelles. Il les a fait à Barcelone. Il en fait au Paris Saint-Germain. Il n'a pas, je pense, tout donné encore pour ce club. Maintenant, c'est difficile à parler du bonhomme parce que je ne le connais pas. Voilà, j'ai des images de ce que je vois à la télé, de ce que je peux lire sur lui. Mais c'est complexe à parler du bonhomme. Si on reste sur le joueur en lui-même, est-ce que tu le trouves, question piège, je sais, mais est-ce que tu le trouves plus fort que Safet Süzy, par exemple? Je vais être le plus objectif possible et essayer de comparer des époques. C'est vraiment difficile. Je pense Süzy qui était plus fiable. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai été entraîneur, je me mets à la place d'un entraîneur. Aussi un dirigeant, et voilà, après au niveau notoriété, au niveau business, il est plus intéressant d'avoir un mec comme Neymar dans son club aujourd'hui plutôt qu'un Safet Süzy. Tu me parlais de génération tout à l'heure. La différence avec ta génération, c'est aussi la mentalité des joueurs, en bien ou en mal. Il y a un bon garçon qui est Mbappé, par exemple. Tout à l'heure, tu me parlais de Safet Süzy, tu me disais que c'était un homme remarquable, vraiment, au-delà du joueur. Quand tu vois l'attitude des joueurs aujourd'hui, parfois qui s'agacent quand ils sortent ou qui ont des mauvaises attitudes sur le terrain, ça t'inspire quoi? Honnêtement, ça me choque pas. Déjà, si on parle de Kylian, moi je pense que depuis qu'il a commencé le football au niveau professionnel, depuis Monaco, j'ai pas entendu parler de lui en mal, j'ai pas vu de choses négatives de sa part. Bon, là, il est énervé parce que le coach le sort. Bon, un joueur est jamais content quand il sort. En plus, quand il est bon, il n'a pas envie de sortir.
Il peut avoir des états d'âme, ça peut arriver, même si voilà, même si ils sont des garçons qui sont sur les feux de l'action, ils sont ciblés par la presse. Dès qu'ils sortent un petit peu des lignes, bah, ils sont démasqués. Aujourd'hui, bah, voilà, il a eu un geste d'humeur. Il a eu un geste d'humeur, ça peut arriver, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Mais je pense que ce garçon est remarquable à tout point de vue. Un geste d'humeur qui peut aussi dénoter une forme de caractère hors du commun. On l'a déjà vu, même en interview, il a récemment donné une interview à France Football, qui est d'ailleurs remarquable, dans laquelle il dit qu'il a toujours plus faim, qu'à l'entraînement, il veut toujours être... C'est peut-être aussi la caractéristique d'un champion hors du commun. Ouais, et puis je pense qu'il y a, même s'il n'y a pas de rivalité entre Neymar et lui, et mine de rien, tout le monde en fait. Et aujourd'hui, il a peut-être l'impression de ne pas être mis à la même hauteur que Neymar, alors qu'il fait des choses aussi bien, si ce n'est mieux. Si ce n'est mieux, il est champion du monde. Lui, il est champion du monde. Mais ce garçon a quelque chose en plus. Et je pense qu'il faut respecter ça, parce que c'est un garçon qui est respectueux vis-à-vis de plein de choses. On peut parler d'un certain nombre de joueurs, le manque de respect, parce que dans le football, il y a beaucoup de manque de respect, mais ce garçon est très respectueux, je pense, des instances du football, du monde du football, des supporters et de lui-même. Est-ce que un club comme le PSG doit tout faire pour les garder? Admettons que l'été prochain, les Neymar, Mbappé aient des envies de partir. Moi, est-ce qu'aujourd'hui, un club doit se montrer ferme, non, vous restez, messieurs, vous avez un contrat? Ou alors retenir un joueur qui ne veut pas forcément rester, c'est pas forcément l'idéal pour l'institution. Moi, je pars du principe que quand un joueur veut partir, faut pas le garder. Ouais, c'est mon point de vue. Maintenant, honnêtement, sur le cas Kylian Mbappé, honnêtement, si PSG n'est pas champion d'Europe cette année, ça sera compliqué à le garder parce qu'il veut être champion d'Europe. Il a envie d'être champion d'Europe et s'il voit qu'il ne peut pas y arriver avec ce club. Je pense qu'il ira dans un club qui peut être champion d'Europe et qui peut lui donner cette possibilité. Je t'ai parlé de Neymar, de Cavani. Est-ce que tu as un joueur qui te plaît particulièrement? Peut-être un de ces deux-là, hein. Mais un autre qui te plaît particulièrement au PSG qu'on n'a pas abordé et que tu as... Moi, il y a quelques garçons qui me plaisent. On a parlé de Cavani, j'aime bien parce que c'est un mec qui ne triche pas. Voilà, j'aime bien Marquinhos. Parce que il a tout du... Bah, déjà, j'aime bien ce joueur par rapport à ses qualités. Et puis, on a l'impression que ce mec aime le club aussi. Il est capable de jouer à plusieurs postes, même si je pense, ça c'est mon avis, que sa meilleure place est défenseur central. Mais voilà, j'ai une petite affection pour ce genre de garçon. On va parler de Thiago Silva, de Marquinhos. En temps normal, il devrait composer la charnière centrale du PSG. Ça fait un bout de temps que ce n'est plus le cas. Marquinhos avait été repositionné en milieu de terrain. On est à 2 semaines du match contre Dortmund. Quelle charnière tu as ignorée? Il y a beaucoup de débats à droite. Bernat n'est pas là depuis un bout de temps maintenant. On commence à s'interroger aussi. Toi, quelle défense tu as ignorée à Dortmund dans 15 jours? Tout dépendra bien entendu des blessures, pas de blessures, des formes du moment. C'est important. Moi, pour moi, à droite, il n'y a pas Meunier, me paraît. Enfin, je vais donner Meunier à droite. Marquinhos, Kimpembe. D'accord. Et Kurzawa. Ok, très bien. Bah, y a des choix surprenants. Pourquoi pas Thiago Silva déjà? Je reste toujours avec ces matchs capitaux. Pour toi, il symbolise le traumatisme passé du PSG et il faut tourner la page. Si je dois vraiment parler avec mon regard de supporter, je pense ça. Voilà, je pense ça. Voilà, je suis pas coach. Je pense que t'es pas le seul à penser, d'après de ce que je connais. Là, par contre, tu me surprends drôlement à gauche, Kurzawa. Voilà, il est quand même très contesté ses performances. Moi, à titre personnel, je les trouve mitigées, plus que mitigées. Hein. Pourquoi? J'aime bien ce garçon. J'aime bien ce garçon. Je connais. C'est subjectif. Non, je suis pas très objectif. Okay. Je suis pas très objectif. Je connais ses parents qui sont de Fréjus, voilà, et je connais un petit peu la famille. Mais je trouve que ce garçon a pas montré toute l'étendue de son talent. Il est temps qu'il démarre sa carrière. Honnêtement, voilà, parce qu'il a un potentiel énorme. Et vu que tu me surprends beaucoup, je vais te demander le reste de l'équipe que tu mettrais, comme ça on ne sait jamais.
que je vais être surpris. Non, non, parce que je répète encore, je suis un peu En milieu, supporter. mais dans ce cas-là, dans cette logique-là, vu que tu retires Thiago Silva, tu retires Marco Verratti du milieu de terrain aussi, qui a été là dans toutes les. Ouais, mais non, parce que non, parce que je trouve que mentalement ce garçon est au-dessus du lot, vraiment au-dessus du lot, et on n'a pas l'impression que c'est un garçon qui est blessé. Voilà. Thiago, je l'ai trouvé au PSG blessé à une période, blessé mentalement, et même en équipe du Brésil. Et devant là, cette question, Cavani, Icardi, Là, il y a tellement de aucun des deux. possibilités. Non, mais il y a tellement de possibilités, quoi. Je veux dire, offensivement, on a la chance d'avoir un quatuor ou un quintet de joueurs exceptionnels. Donc, le coach n'a pas peur de les lancer, de les faire jouer ensemble. Je pense qu'il faut souligner aussi ça. Parce que voilà, il y a tellement de coachs frileux que ben, ce mec-là n'est pas un entraîneur Tiens, frileux. une question pour un ancien défenseur qui me vient là. Quand on est dans son équipe, on a quatre mecs comme ça, offensifs, très bons, très techniques, mais qui défendent pas forcément. On est quand? On est content parce qu'on peut marquer des buts ou on flippe un peu parce que dans le repli défensif, ça va être un peu Non, compliqué. on est content parce qu'on a des bons défenseurs aussi. Ouais. Voilà, donc quand on peut se permettre de faire jouer quatre joueurs à vocation très offensif et qui défendent très, très, très peu ou pas très bien, on va dire, on le fait parce qu'on sait que derrière on a des mecs costauds. Bon, dernière question, t'es le joueur le plus capé de l'histoire du club, 435 sélections, match disputé, parce qu'on n'est pas en sélection nationale, mais est-ce que quelque part ça t'embêterait d'être détrôné? Aujourd'hui, t'es dans l'histoire grâce à ça, t'es dans l'histoire aussi grâce au trophée que t'as remporté. Est-ce que, inconsciemment, il y a peut-être cette petite crainte Il y a un proverbe qui dit tous les records sont faits pour tomber. Voilà, ben j'espère que celui-là va pas tomber. Voilà, parce que honnêtement, ben ouais, je suis en tant que Parisien, je suis fier de. Honnêtement, je suis fier de ce record. Voilà, c'est ma grande fierté d'avoir pu porter ce maillot aussi souvent. Donc ouais, j'espère que par rapport au football actuel, ça sera pas simple, même s'il y a des joueurs qui en prennent le chemin. Voilà, mais On bon, va dire à Marquinhos de se calmer un peu, si tu préfères. Ouais, mais bon, ça fait confiance au coach. On fait confiance au coach. Un dernier mot aux supporters du PSG. Et j'enchaîne avec qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut Ben, te souhaiter à toi dans ta vie déjà, moi, personnelle? aux supporters, je leur souhaite, je leur demande de continuer à toujours être derrière cette équipe qui a besoin des supporters. J'espère qu'ils seront fiers de leurs joueurs. J'espère qu'ils pourront fêter un titre à la fin de la saison. Ça, c'est tout le bonheur que je peux leur souhaiter, bien entendu. Après, pour moi, bah écoutez, j'ai fait un constat il y a à peu près 6 mois que le football ne voulait plus que moi en tant qu'entraîneur. C'était un constat pas facile à accepter, mais je l'ai accepté. J'ai pas retrouvé de poste depuis un certain nombre de temps. Voilà, aujourd'hui, je suis plus demandeur de poste d'entraîneur, mais bon, je lance un avis, je peux être preneur d'un projet qui me fasse kiffer, parce que à mon âge, j'en ai encore envie de kiffer. Eh ben, t'es pas entraîneur aujourd'hui, mais en tout cas, tu es dans l'histoire du PSG à tout jamais. On espère te voir sur la pelouse pour un match des légendes en mai prochain, en juin prochain, pour les 50 ans du Va PSG. falloir que je m'entraîne. Il va falloir que tu t'entraînes. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci à toi et Merci. merci à vous.